Et bienvenue tout le monde, mes petits culs, pour ce nouvel épisode de House Flipper. D'après quelques commentaires, vous avez plutôt vraiment bien apprécié ce nouveau jeu et j'en suis ravie puisque moi aussi je l'adore. Alors sans plus attendre, on va refaire une petite mission. Ah oui, c'est vrai que ça ne souffle pas comme dans les Sims, n'est-ce pas? Et j'ai déjà fait des adèles qui m'ont dit « Ah, bah, tu m'as trop fait découvrir, j'adore trop, maintenant bah, j'ai acheté le jeu ». Donc voilà, une petite maison, ça fait toujours du bien. Ah oui, c'est vrai, je ne faut pas que je sorte mes trucs, moi, j'ai l'habitude. Et on va aller chercher une mission. Nous avons 4 mails, salle de bain supplémentaire indispensable, salle de bain et atelier. Je vous demande de m'aider, je paierai. Je veux me servir de toi pour rénover ma maison, mon mignon. Nous avons, on va dire lui. Salut, je suis ravie que tu m'aies proposé ton aide pour la rénovation de ma maison. J'espère que cette proposition est toujours d'actualité. Je ne pourrais pas dire non à quelqu'un d'aussi aimable que moi. Pas vrai, tu ne pourrais pas, je sais pas ce que j'ai dit. Donc voilà, il y a un mois, j'ai emménagé dans la maison de ma cousine qui est une soi-disant artiste. Et son âme d'artiste exige qu'elle habite dans une maison qui a l'air d'un sapin de Noël. Non mais sérieux, ces couleurs agressent mes yeux, c'est l'horreur! Ça m'énerve tellement que je me demande si je ne vais pas finir par avoir des rides à cause de ma mine exaspérée. Ce serait horrible! Il faut à tout prix éviter ça et toi, mon petit chat, tu dois m'aider. Avant que ma cousine ne rentre de tournée, tu dois repeindre tous les murs de la maison avec des couleurs normales, pâles, douces. Tu connais mes goûts. Et dépêche-toi, n'oublie pas. Bisous, Michel Bonneau. Ben écoutez, on va y aller tout de suite. La soi-disante maison d'artiste. Et nous voilà dans la fameuse maisonnée. Et on va tout de suite voir de quoi il en retourne. Ouh ! On est d'accord que les couleurs, ça fait un peu agressif quand même. Peindre avec des couleurs citron délavé. Très bien. Alors, est-ce qu'on visite ou est-ce qu'on fait tout de suite? Je pense qu'on va faire ça tout de suite. On va acheter notre petite peinture. Voilà. Citron délavé. C'est ici, acheter maintenant. Et moi, je vais prendre mon petit pinceau. Et on est parti pour peindre. Ah oui, ça m'avait manqué, dis donc. Parce que bon, j'ai tourné les premiers épisodes il y a quelques temps. Début août. Et là, nous sommes début septembre. Donc ça fait pas un mois, mais quand même trois bonnes semaines que je n'avais pas joué. Et du coup, ça, j'avais hâte de reprendre, quoi. Mais comme je ne veux pas rusher trop vite, parce que ça ne sert à rien, et surtout que le jeu est encore en développement, et il développe encore toujours des trucs très sympathiques, je me dis que je prends le temps tranquillement de faire l'émission, et vous aurez un épisode une fois par semaine, et qui sait, peut-être des fois deux, je ne sais pas, quand j'achèterai des maisons et que je les renouvellerai entièrement, peut-être que je déborderai un peu, qui sait. Je ne sais pas. Je n'ai pas encore commencé, donc je peux pas vous dire. En tout cas, on est tranquille, là. Oui, j'ai raté un mur, vous inquiétez pas. On va reprendre un peu de peinture. C'est vrai que c'est beaucoup mieux le citron délavé, quand même. Hein. Y a pas à dire. Hein. Eh, c'est vrai que je crois que je peux peindre deux murs. Voilà, celui-là. Parce qu'on avait amélioré les skills... Alors. Voilà. On va reprendre un peu de peinturure. Ici, hop. Même la musique est apaisante. Il est très, très... c'est un jeu hyper satisfaisant, un peu comme des fois on voit des vidéos sur internet où voir brûler un truc ou un truc... se casser, enfin on sait pas trop, et c'est rien que le voir, en fait, c'est assez bizarre, c'est assez pas pervers non plus, mais il y a une notion de satisfaisante parce que ça se fait très très naturellement et très joliment, un peu comme quand j'ai cassé les murs. C'était un kiff absolu ce truc, et j'espère que j'en casserai d'autres. Hop, et on est parti pour la toute fin. Et ben, je dois dire que c'est beaucoup plus joli en citron délavé. Après, je suis pas sûre que la cousine, quand elle va revenir de tournée, elle soit ravie de voir que sa maison a été refaite au goût de son colocataire d'urgence. Donc, à voir.
Donc voilà, nous avons fini cette pièce 100%. Nous sommes dans la cuisine. Et dans la cuisine, peindre avec des couleurs pêche claire. Eh ben, c'est parti, mon kikine. C'est-à-dire qu'on doit tout peindre en pêche claire. Ouais. Ah, ils ont même mis la machine à laver ici, d'accord. À côté de la... Oui. Bah oui, pourquoi pas, après tout. Regardez. Le frigo ici. Bon, oh, il est un peu gros le frigo. J'aurais pas mis ça, moi. Donc, on va acheter tout de suite la peintululure. J'ai déjà oublié. Pêche claire. Donc, on est parti pour le pêche claire. Pêche velours. On doit être en haut. Oui, que je trouve, ça serait sympa. Pêche claire. Je vais peut-être en prendre deux. Pour commencer, puis pour mettre là. Ici. Voilà. On va prendre le petit rouleau de peinture. Ce qui est bien, c'est que dans ce jeu, on n'a pas besoin de nettoyer les pinceaux. Ils se nettoient tout seuls. Il y a des effets de peinture aussi, c'est assez sympa. Oula! Comme je reste appuyée, ça fait un peu un effet. Hop, 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 hop. Ouais, mais quand même, et ça fait un effet, hein. Bon. Je fais n'importe quoi, mais au moins on s'amuse un petit peu parce que ce jeu est tellement zen. Faut que je reprenne de la peinture dans le pot. Oui, monsieur. Peut-être que j'aurais pas besoin de deux pots, hein. C'est pas très grave. Ça coûte... C'est pas ce qui coûte le plus cher, de toute façon. Je suis trop loin. Ah, je suis bloquée. On va reprendre de la peinture. On va reprendre et on va aller dans le coin. Hop. En vrai, hein, on peut pas peindre comme ça, hein, avec un frigo aussi énorme devant. Il y avait encore un petit coup à mettre. J'en ai plus. Oh, dis donc. Vous allez me faire des allers-retours comme ça? Il n'y a pas trop d'espace. Non, est-ce que ça fait des couleurs différentes un peu? Ah, voilà. C'est parce que ça n'avait pas bien fait. Ok, c'est bon. Ah, bon, on va utiliser celui-là un peu. Si ça marche. Hop! Je vais trop vite. Je veux aller trop vite. On va faire quand même le dessus de la fenêtre, hein, quand même. Ce serait dommage. Merde. Et j'en ai foutu sur le... Là, alors que c'était en blanc et donc il n'y avait pas besoin de le faire. C'est pas grave, on n'a rien vu! C'est en clair quand même, ils vont rien voir le client, ils vont dire mais non, ça va. J'ai peint plus qu'il ne fallait. Allez, peins mon petit. Alors, pas refaire deux fois la même bêtise. C'est chouette, c'est chouette, c'est chouette. Mais c'est long. Bien voilà, la 87. Ah bah non, alors du coup il faut bien faire les trucs de fenêtres, hein. Parce qu'on est d'accord, j'ai tout peint. J'ai peint en dessous des fenêtres, donc il faut faire aussi ici. Finalement, c'était pas une bêtise. Mais bon, c'était en blanc et je trouve ça pas trop trop laid, moi. J'aurais peut-être pu avoir qu'un seul pot de peinture, mais c'est pas très très grave.
99%. Ah, il manque une petite chouillette quelque part. Ouf! Où est-ce que j'ai oublié? Là. Voilà! On a fini pour celui-là. Mais écoutez, ça veut dire que je peux sortir de là, monsieur. Merci. Nous allons sortir de cette pièce. Et fermer, hop, ouvrir ici. Ouf! Oh la vache! C'est affreux! Pêche claire aussi. Eh ben, on va rechercher nos pots de peinture, hein. Toute économie est bonne à prendre. Hop. Et on va chercher l'autre. Et on y va. Allons-y gaiement. Et on est reparti pour peindre. Ah, c'est bon. Mais c'est affreux ce verre. Enfin, petite dose, mais pas. Pas comme ça, pas comme ça. Non, non, non. Oh, et il est tellement vide le pot qu'on voit le tapis en dessous. C'est du grand n'importe quoi. Ah, oui, d'accord. Oui, je vais monter. Dans le lit. Coucou, le nounours. J'ai jamais vu un peintre qui s'est manié comme ça la peinture derrière un meuble sans rien bouger. Mais chez nous, dans House Flipper, on est assez magique. Ouais, je pense que de toute façon, il faudra faire aussi les rebords de fenêtres, comme tout à l'heure. Voilà, ici. Quand je vois ce verre disparaître, ça me fait tellement plaisir. Non, parce qu'il peut être joli, mais... C'est trop quoi, faire juste un mur avec du verre comme ça, mais là c'est pas possible. On respire quand même, non? Ah, je peux. Ah, oui, non, mais c'est bon, je vais pas terminer le chantier maintenant. Et j'en suis à 82%, donc effectivement, il faut faire les rebords de fenêtres. Parce que j'espère que je ne suis pas obligée de reprendre un rouleau. Mais à mon avis, si. Il va pas m'en rester assez. Hein. Voilà. Et j'ai fini mes deux rouleaux de peinture. Oh, vous me faites acheter. Non. Je pense reprendre mon pinceau. Non, mais franchement, un rouleau. Un rouleau. Un pot pour vraiment que ça, quoi. Ça pour arriver à 100%. Et voilà. On est bien. Bon, bah moi je vous laisse là. Hein. Allez. Oui, c'était la seule chose à faire. Et il reste encore une pièce à refaire. Est-ce que c'est ici? Non, ça c'est dehors. Il veut pas ouvrir. Bon, c'est pas grave. Non, là ça a l'air d'aller. Oh, ça doit être là. Bleu somnolent. Allez, on est reparti pour la peinture. Bleu somnolent. C'est un peu dommage vu qu'on fait que ça dans cette mission. Où il y a gris? Ah, bleu somnolent, il est là. On va fermer la porte. On va sortir nos pinceaux.
C'est parti pour le bleu. Un peu hard quand même ce bleu, hein. On va pas se mentir. Il fait beaucoup plus clair dans le pot et il est très vif sur les murs. Est-ce que c'est pire que le jaune? Je ne sais pas. Bah, là, comme ça, voilà, avec le petit coin jaune, je trouve ça mignon. En plus, c'est en contraste avec la peinture, pourquoi pas, hein? C'est pas ce qui me choque le plus, moi. J'ai vu pire. On va reprendre un peu de peinture. Ouh là là, la vache, l'armoire. On va faire ça comme ça, hein? Vous voyez, on est des peintres magiques parce que en accédant juste en haut au-dessus de l'armoire, on arrive à peindre tout le mur. Bon, après, on pourrait déplacer l'armoire, mais j'ai franchement la flemme. C'est faisable sans déplacer l'armoire, alors pourquoi le faire? On est déjà quand même en gain à 4474 simflouz. Ah là, le réflexe. Euros. J'ai envie de dire, moi, je vais me le lancer demain dans la peinture si on gagne autant d'argent. Ça me va très bien. Bah, regardez, c'est quand même joli. Non, juste le fond jaune comme ça réveille un peu. Moi, je trouve que c'est mieux, hein. Franchement, vu qu'il y a quand même des rappels de bleu. Après, ça peut donner aussi des idées de décoration pour les Sims. Hein. Un mur jaune et le reste bleu. Tout est inspiration à trouver ailleurs. Dans l'interstice du lit, entre le lit et le rebord de fenêtre, attention. Et encore de la voiture. De toute façon, ici aussi, il faut faire les bords de fenêtres, alors qu'ils sont blancs et ils sont très bien blancs, mais non. Non, le jeu, il veut que vous repeigniez tout entièrement. Ici, c'est filou, cet endroit-là, quand même. Donc ça, c'est fait. Je vais reprendre dans la peinture. Et on n'aura eu droit qu'à un seul pot pour tout refaire la petite chambre. C'est plutôt pas mal. Alors, attendez. Au moins j'accède comme ça. Je pensais qu'il faut aller sauter le gars. Et là, ça va être compliqué de choper. Ah non. Je suis un poil trop loin, quoi. J'ai pas envie de déplacer le lit, franchement. Je suis à 97%. Oh, quand même. Allez, on va terminer là, de toute façon. Je pense qu'on est largement. On a fait notre taf et ils le verront pas. Donc on va sortir. Nous, on s'en va à 100% du chantier terminé. J'ai vraiment eu la flemme. Bizarrement, j'ai pas pu vendre mes objets, mes pots. Ah, il commence à faire nuit. Et on va donc rendre le chantier 99%. Ça va. Et on gagne 5000 euros. C'est vraiment cool. On est de retour à notre maisonnée. Alors, est-ce que ça vous dit, on se fait des petites boulettes de viande avec d'une soupe tomate, ça vous va? Hein? On fait ça tout de suite. Hein? Par contre, j'ai pas ma. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. Oh, j'ai amélioré. Je peins deux murs en même temps. Je peins 25% plus vite. Je vais faire mon skills au meilleur pour la peinture. Je trouve ça mieux. On va tous.
C'est ça que je voulais. Ah mince, je l'ai enlevé. Voilà, il est trop. Mais ici. Comme ça, par exemple. Ou un peu plus haut. Ça, je peux ranger des trucs ici, voyez? Fauteuil cadre. Survival. Organic food. Voilà. On va mettre, on va commencer à mettre nos. Ah, je l'ai enlevé. Oh là là. On va mettre notre manger. Ah. Voilà. Du PQ. Un couteau. Du riz. On va acheter du riz. C'est toujours intéressant le riz. On peut pas le mettre là-dedans? On va le mettre là alors. Ça, on pourra se faire du riz, riton. Hein, c'est sympa. Bon, allez, on arrête les conneries et on va voir la prochaine mission. 5 mails. Maison kitsch. Je vous demande, hein, nettoyage, demande de nettoyage de la maison. Salle de bain et atelier. Salle de bain supplémentaire indispensable. On va faire la salle de bain supplémentaire indispensable. Bonjour, j'ai acheté une maison qui manque cruellement d'une deuxième salle de bain. Je m'en suis rendu compte. Compte. C'est pas du tout le bon mot. Dès la première semaine passée dans la maison, et je sais que je ne supporterai pas cette situation plus longtemps. À côté de la cuisine, il y a une pièce qui serait idéale pour y faire une salle de bain. Je crois même qu'elle dispose des raccords nécessaires. Il faudrait peut-être aussi enlever les chambres. Ok, on va encore peindre beaucoup. Ça risque d'être long. Et nous voilà dans la jolie maison. Oh, elle est grande cette maison par contre. Go. Oh. Alors, on va peut-être ouvrir ici. Oh, mais quel manque de. Oh non, non, je suis pas d'accord. C'est vraiment un. On perd tout. What? Ah, mais c'est ici? Attendez. Ah, il faut casser des murs et tout. Oh, mais c'est une méga. Ah oui, bah voilà. Casser des murs. On est d'accord que. Ah oui. J'étais. Je me suis dit que c'était pas. Oh! Ah oui. Ah oui. Oh le pied. Je me disais que c'était vraiment un gâchis d'espace de faire ça comme ça, mais. Je pense que cette mission sera beaucoup plus longue que je pensais. Attention. Paf! Ensuite, je prends ça et je vends. Et blanc. Petit coup de massue. Oh, c'est bien. Voilà, il faut remodifier ici. Bon, bah, c'est parti, mon kiki, hein. C'est en train de se briser à l'intérieur. Et si je brise le troisième, là? Oh, oh bah, tout est parti d'un coup! Mais non, moi, je voulais les voir s'écrouler. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus jouissif. Hein. J'aime beaucoup casser les murs, hein, franchement. Je tiens à le dire. Et après, hop. Eh bien, nous avons déjà fait notre taf. Et on va retourner donc dans cette pièce ici, qui est donc. Ouais. Ouais. Attendez. Celle-là, la deuxième salle de bain. Ah, d'accord. Enlever l'objet. Ok, pas de souci. Monter les équipements, poser des. Alors, donc on va commencer à poser les céramiques de murs et compagnie là. Alors, sur un beau petit parquet. Coucou les voisins. On doit pas nettoyer les vitres, j'espère. Non, j'aime pas ça moi. Monter les équipements. Alors, des vis. Voilà. Ici, est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
Défis aussi. Mais là, il n'y a rien à faire. Ok, bon, on va commencer par fermer la porte et on va poser les carreaux de mur et poser les carreaux de sol. On va faire carrelage sol déjà en céramique et gris parce que j'en ai jamais fait. Carreaux de sol, carrelage de sol en céramique et gris. En céramique blanc, céramique vert clair, bleu, orange, vert. Bleu clair. Ça commence bien. Ah, c'est ça. Ah oui, et en fait, on doit... Je sais pas comment on fait. Ah, d'accord, oui, effectivement, c'est très simple. On fait un clic et un autre clic, et puis basta, quoi. C'est hyper simple à faire, hyper rapide, vous voyez, et c'est magique. Et poser des carreaux de mur, carrelage mural en céramique gris et carrelage en céramique gris. Ben oui, carrelage mural en céramique gris et carrelage en céramique gris. D'accord, j'ai oui. En fait, il y en a deux. Carrelage en céramique gris. Carrelage mural en céramique gris. Carré et en carrelage. Ah oui, donc c'est ça. Tac. Et on va prendre du coup avec les petits carreaux. C'est pas très très cher. C'est ça, je crois. Alors, comment on va faire? Sachant que là, il y aura tout ce qu'il faut et en face, il n'y aura pas. J'ai envie de dire, on fait ça. Ouais, on va faire ça. Ah, ok, super. Ah, il faut reprendre une pile à chaque fois, c'est vrai. C'est chiant, ça, par contre. De toute façon, après, je vais facilement avoir des skills pour améliorer, pour aller plus vite, évidemment. Pardon, je suis restée trop puissante, trop appuyée. Ok, on va passer à cela. Et je vais les mettre de ce côté-là. C'est quand même très long pour l'instant le de carreler les murs et tout. Le sol c'est hyper rapide, mais alors les murs c'est quand même long. Après c'est comme tout, hein, parce que j'ai commencé la peinture, c'était assez long, et puis finalement on commence à aller un peu plus vite et tout. Mais là, effectivement, c'est on retourne un peu au départ, et puis bien sûr ça ira de plus en plus vite. Plus j'en ferai, plus je débloquerai les bonus. Je suis pas sûre d'avoir fait un très joli choix. On n'en parlera pas. Ah non, c'est vrai. Hop. Je suis pas sûre que ce soit très joli, hein? Est-ce qu'on a un point? Non, même pas. Eh ben, c'est déception. On va passer ici. Encore quelques... On va racheter une pile de chaque, je pense, pour finir la salle plutôt, parce que sinon, on n'aura pas assez. Bon, bon, bon. On va racheter. C'est laquelle? Non, c'est pas celui-là que je voulais. J'ai envie de me dire, est-ce que je fais pas un petit truc sympa? Genre là, il me reste quoi? Deux. Je vais centrer les deux. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Ouais, non, il aurait fallu trois trucs. Je crois qu'il n'y en a que deux ici. C'est pas grave. Non, alors je sais exactement ce que je vais faire. On va espacer. Faire un peu de truc design, vous voyez. Pas juste faire comme ils ont dit et puis. On va se donner un effet de style en fait. Je suis pas sûre que ça rendra joli, hein. Mais pourquoi pas et tenter le coup. Pour se démarquer un peu. Je vais mettre ça là. La dernière, je vais la mettre là. Voilà. Ça fait un peu bizarre, peut-être. Ça fait un rappel, en fait, du carrelage qui était là. Et... Ah mince, j'ai pas fait ici, effectivement. Je suis obligée d'en racheter. C'est pas possible, ça. Mais tant pis, hein. Qu'est-ce que je le dise? J'ai perdu des euros. 4 euros. Bon, ça va. Pour l'instant, je gagne 2900 euros. C'est pas 4 euros qui va me foutre sur la paille, hein. Et puis après, on va faire les installations qui vont être bien reloues aussi. Surtout concernant la douche, parce que c'est vraiment très chiant à faire, très long. Hop, c'est la dernière. Ok, on est bon à 100%. Hop, et on va installer les petites installations évier. Alors, on est parti pour l'évier. Salle de bain. Évier installé, baignoire, baignoire. Lavabo. On n'a pas trop le choix en fait. À chaque fois, je déclic en fait. Bah, si, moi je vais installer celui-là. Non. Ouvrir, donc on va ouvrir. Et on va l'installer. Quoi? D'accord. Je sais pas ce qu'il fallait que je fasse. En tout cas, c'est fait. Ici, on va acheter un toilette. On va installer cela. Ok. On va, hop. Ok, et on va retourner installer douche. Alors ça, douche, c'est vraiment le pire. Et bon, on n'a qu'une seule douche, on n'a pas trop le choix. Ah, fallait que je me recule. Alors, douche. Ah oui, non, il faut déjà commencer avec les pieds, c'est vrai. Ouais, voilà. Il y en arrive à cet endroit-là où je sais pas sur quoi il faut cliquer. C'est un peu tendu, quoi. Ah si, c'est ces trucs-là. Putain, mais... Comme ils sont invisibles, comment voulez-vous qu'on sache qu'il faut mettre ça? Et voilà. On a mis la douchette. Et tout est fait ici. Il faut placer l'objet miroir. Mon beau miroir. Salle de bain, je sais pas s'il y a le miroir ici. Ah, je sais plus où il faut le chercher. Donc on va... Hop, miroir. Bon, on n'a pas trop le choix. Miroir en miroir ou en wenge?
Voilà. Et là, on est à 100%. Mais moi, j'ai envie de pousser un peu le vice et de mettre un petit tapipi. Un petit tapis. Pour faire un truc un peu cosy. Tapis jaune, tapis mou. Un motif fleur, fleur noire, orange. Non. Celui-là, il n'a qu'une couleur. Tapis gris. Tapis motif. Oh non, j'aime pas. C'est toujours la même couleur. Enfin, la même. Jaune d'or, marron, orange. Non. Celui-là, rouge, azur. Non, on va choisir un truc plus simple que ça quand même. Oh! Tapis jaune, il était sympa. Tapis uni marine, rouge, vert. Et en marine. Pourquoi pas? Peut-être. Si je prends pas la main. Je vais pas y arriver. Voilà. Comme ça, on n'a pas à se froisser ses petits pieds quand on sort de la douche, quand on est sur les toilettes et quand on se lave les dents. C'est joli. Et je vais pousser le vis et je vais mettre une plante. Avec un pot. Un joli petit pot bleu. Voilà. Sympa. Et est-ce que je mettrai pas des rideaux? Parce que nous sommes dans une salle de bain. Store et rideaux. Rideau large pour garçon, cyan, marron, vert, magenta, orange, azur. Ouais, mais le truc, il est rose, quoi. Je vais voir si azur ça marche. Non, c'est trop petit. Rideau large à installer. Rideau étroit à installer court. Azur. Et je peux pas non plus. C'est nul. Alors je vais acheter des stores fermés. Puis placer. Non. Installe. Et en fait, les stores s'adaptent un peu à la taille de la fenêtre. Donc voilà pour la petite salle d'eau. C'est plutôt mignonnet. J'aurais changé la porte parce que je trouve qu'elle va pas du tout maintenant avec le reste de la maison. La salle d'eau est faite. La porte, elle va dans la douche, on est d'accord, hein? Ah mais ben non, elle vient ici. Ouais, c'est pas du tout logique. Mais moi, je vais sortir, monsieur. Je pensais que j'étais sortie, mais j'étais pas sortie. Mais qu'est-ce que je fous? J'ouvre pas les bonnes portes. Oh là là. Voilà. Nous avons peindre avec les couleurs lavande pimpante et lavande claire. Lavande pimpante et lavande claire. Ah, homme à tout faire, monteur. Plâtrage plus rapide, poser carreaux et un parquet. On va faire ça en mieux. Je préfère. On va retourner dans la peinture. J'ai déjà oublié les. Lavande pimpante et lavande claire. Ça reste un sympathique. Alors, lavande pimpante. Touc. Et lavande claire qui est celui-ci. Ça risque d'être. Est-ce qu'on fait le pimpant ici? Ou est-ce qu'on fait tout ce mur-là? Et ce mur-là, quoi qu'avec la fenêtre,
J'ai envie de dire, pourquoi pas. Ça y est, je me suis auto... Ah, c'est une belle couleur. Ouais, j'allais dire, on va quand même pas réussir à faire tout le mur avec un seul rouleau, quoi. Pourquoi pas, mais... Ça rend vachement bien quand même. Et on va mettre la vente claire à l'intérieur des fenêtres. Plutôt pas mal. Et sur les autres murs aussi. Parce que je trouvais que c'était vraiment plus clair, mais oui. C'est le but, ma pauvre Lucette. C'est hyper cool d'avoir sauvé de la peinture parce que on avance vachement plus quoi. Bon, ça fait plus de déchets de peinture aussi, hein. On va se le cacher. Bon là par contre ça risque d'être complicado pour peindre au-delà de l'armoire. Mais bon. Ah peut-être que je devrais faire en... Ouais, je vais faire ça en fait. Je vais faire le contraire. Que ce soit ping-pong. La lavande pimpante. Voilà, vous voyez, ça fait contraste. Et hop, je redessus. Vous voyez, dans le jeu, c'est pas grave, il vous reste du bleu marine. Vous voulez mettre du blanc alors que vous n'avez pas nettoyé votre pinceau? C'est pas un souci. Alors, j'arrive quand même à grimper sur le lit. Mais on pouvait monter sur le lit, sur les affaires, non? Je sais plus. Moi, ça veut dire qu'il faudrait que je bouge ça, et le problème, c'est que je vais tout faire tomber. Voilà, je fais tout tomber les peluches. Quand même. Il y a moyen que j'y arrive sans bouger la deuxième. Oh, je suis pas sûre. Quoique là, comme ça. J'ai réussi. Bon. Va falloir bouger toutes les merdouilles. Vas-y, faut pas chier le lapin là. Et on va replacer les petits machins. On peut plus. Eh ben c'est super. Toi, tu vas te mettre là. Ah.
Hop, tu vas aller là et vous allez aller par terre parce que vous me cassez les pieds. Hop! Mais c'est plutôt cute, hein? Est-ce que je ferais pas un petit effet de style? Non? Des petites bandes un peu flashy, flashou comme ça. Ouais, on s'en fiche. 97% teindre avec les couleurs. Ce que j'ai oublié de faire encore. Tout est fait là-bas. J'ai fait le dessous de fenêtre. Non, c'est bon. Dites pas que c'est derrière hein, que ça a merdouillé là. Ah bah si, d'accord, j'ai pas le droit de faire d'effet de style. Bon, et bah tant pis, hein. Le seul effet de style qu'on aura, ce sera dans les rebords de fenêtres inversés. Bon, bah c'est plutôt pas mal. On va reprendre la main. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autres choses à faire ailleurs? Peindre les pièces toujours. Ou je ne sais pas. Ici sûrement. Peindre les couleurs bleu ciel. Ok. On est très dans le bleu ciel. Hein. Enfin, très dans la peinture aujourd'hui, je veux dire. Ciel. Alors, on va le mettre là. Oui, si je m'approche pas du pot, forcément, je vais pas y arriver. Voyez que le soleil se couche à l'extérieur de la maison. Parce qu'on a vraiment les cycles jour et nuit dans le jeu, donc c'est assez sympa. Ici c'est fait. Le bleu ciel est vraiment très joli. Il fait un peu vert. Mais je peux pas accéder. Ça casse les couilles quand même, non? Ah si, ça y est. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai grimpé sur. Du coup, je peux pas revigorer. Oh, me ravitailler. Me revigorer. Si c'est bon. Je suis toujours en l'air. C'est bon. Fermer la porte, ça ira mieux. Qu'est-ce que j'ai pas fait? C'est frustrant. Ben non. Qu'est-ce que tu me racontes? J'arrive pas à passer par-dessus. Bah écoutez, je ne sais pas. Je ne sais pas où j'ai pas mis mon coup de pinceau. Et la nuit tombe.
feu allumé, si vous voulez voir. Voilà. Et moi, j'ai pas vu, j'avais pas mis de peinture, donc tant pis. C'est pas très grave. La nuit tombe. Peindre les pièces. Mais pas ici. J'ai pas besoin d'aller ici. Ah, ça doit être ici. Oh non, mais si c'est le salon, ça met... je vais mettre 3 heures. C'est pas ici. C'est la salle de bain qu'on a faite. Ah bah oui, avec les portes, on peut pas rentrer. On va fermer. Mais qu'est-ce qu'ils ont merdé avec les portes? Mais non, c'est là, non. Ah, il y a une porte ici. Ok, c'est ici qu'il faut peindre aussi, encore une fois. Et hop, on est reparti pour peindre encore un peu. Maintenant, je peux peindre les murs, tu vas... Fermez la porte et tu vas allumer la petite lumière et tu vas attaquer la peinture pour cette chambre. Ok, c'est enfin fini pour cette chambre. Et il reste encore une tâche à accomplir quelque part. Ah oui, ça s'éteint automatiquement. Où? Où, comment, quand? Oui, alors en fait, je sais. Ben oui, parce que c'est là, dans la chambre où j'ai pas trouvé où c'était le petit bout que j'avais pas peint. La chambre parentale. Ici. C'est ici. Comme ça n'a pas été validé, en fait, il me manque un tout petit bout. Mais on a fini le chantier, donc on va y aller. On va pas rester plus longtemps, sachant que ça a été une longue mission qui fait nuit et que j'ai envie d'aller me coucher. Regardez quand même, l'ambiance de nuit est quand même très très belle, quoi. Le reflet sur le sol et tout. C'est super beau. Allez! On va rendre le chantier. On est à 99% parce que je n'ai pas trouvé le petit bout à peindre. Et on récolte 6948 euros. Et on a un solde de 51 000 euros. C'est énorme. On est d'accord. Et on est retour à notre petite maisonnée. Et moi, je vais vous quitter pour cet épisode. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Dans une semaine, ce sera tous les mercredis. Ce sera House Flipper maintenant. J'espère que ça vous plaît, en tout cas, comme jeu. Et donc, je vous embrasse très fort. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut!